mère monte, j'ai honte, quand elle descend. Je l'attends. À marée basse, elle est partie, hélas. À marée haute, avec un autre. Après, je me rappelle plus. Hein. C'est vraiment mieux. La mer monte, tout monte, tout monte. C'était ça. C'était un truc comme ça. À marée haute, avec un autre. Et il est devenu quoi, ce chanteur? Là-bas, sur l'océan, dans ce phare qui scintille, le gardien vigilant demeure sans famille. Seul dans l'immensité, quand le flot se soulève, parfois comme en un rêve, il se prend à chanter. L'océan sous sa garde, le soir fait miroiter, par la lune blafarde, ses reflets argentés. Alors, vous voulez savoir qui est Raoul? Eh bien, Raoul, c'était ça. Vous appuyez sur le crayon, il est dedans. C'est un, comme une espèce de magie. Alors, regardez, il va me mettre tout seul. Hop là. C'est déjà la grande casquette. Ici, la naissance de son appendice nasal. Ici, les lunettes qui sont toujours coupées en deux à cause de la visière, très souvent. Alors, après, il y a la garniture. C'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle la moustache et la barbe. Voilà. Et puis, on lui met un peu de cheveux. Et alors, je crois qu'on lui met une petite étoile ici, ça changera. Mmh. Raoul est un homme modeste, c'est pas un 3 étoiles, ni un 4 étoiles, c'est une étoile populaire qui le caractérise bien. Et mon papa, il l'appelait Francis. Et puis Raoul, c'était son nom de quand il chantait. Bah, il chantait dans mon petit quinquin, mon petit couchin, quand la mer monte. Puis plein d'autres chansons qui fait partie du Nord. Quand il pouvait s'amuser, c'est sûr, il s'amusait. Mais il était sérieux quand même. T'entendras dire un tout poujac, parle pour Aïchinel qui parle mon corps, t'es limite à note au lieu de tout parent de carotte, il dira merci, parce comme nous a rendu plaisir. Chagrin, si tu ne t'en fâches que même. Oh, comme tu souviens, c'est si bio, ouais.
c'est si bien. Oh, ouais, bon. Pour tout de même. Je vais écrire à la télé. Dans le Nord, nous avons plusieurs sortes de ducats. On a la ducat à Pierrot, qui se passe une fois par an, où l'on mange donc des saucisses avec des haricots aux sauces tomates. Après, il y a la ducasse avec les manèges. Enfin, il y a la ducasse, donc c'est toujours la ducasse. C'est toujours la fête dans le Nord. D'après la légende, deux géants ont fondé la ville de Lille, les armes à la main. Aujourd'hui, le géant de Raoul se balade avec eux. Un géant sans armes, sans autre arme que son rire énorme de cornes de brume et sa grande gueule de gaillard d'avant. Et ce que j'aimais chez Raoul, justement, c'était cette authenticité, c'était un vrai chanteur populaire. Suis ta voix et perds pas le nord, perds pas le nord, balada, perds pas le nord, perds pas le nord, et suis ta voix, dans la vie, mon cadavre. Moi, je suis paysan, je vais par les prés, je vais par les champs. Et je prends en rentrant, à la droite du soleil couchant. Moi, je suis marin pêcheur, et même vagant sur l'équateur. Quand, par malheur, je me perds, je n'ai qu'à suivre les étoiles polaires. Suis ta voix et perds pas le nord, perds pas le nord, balada, perds pas le nord. Père Panor, essuie ta voix dans la vie, mon gars. On suivait nos études du Denis Diderot et comme c'était la guerre, il fallait descendre sans cesse dans la cave et remonter à la fin de l'alerte et redescendre et remonter. Puis on entendait le bruit des bombes. Et un jour, Francis me dit, il n'était pas encore Raoul à l'époque, Francis me dit, écoute, je vais chanter une chanson et tu verras, on n'entendra plus le bruit des bombes. C'était la première fois que je l'ai entendu chanter, j'étais absolument stupéfait, je me suis dit, vraiment il a un bel organe. Lille pendant la guerre, c'était l'installation des chaînes sur des poteaux bien plantés pour éviter que ces braves Lillois traversent n'importe comment. Avec des gens peu agréables, habillés en vert de gris. Parce que nous, on était habillés en cacadois ou chiure de dinde, et eux, ils étaient habillés en vert de gris. Ce que la guerre n'avait pas détruit, les démolisseurs s'en sont chargés dans les années 60. Saint-Sauveur, vieux quartier ouvrier de Lille, berceau des villes de Rousseau, l'auteur du Petit Caca. Raoul, qui a sa naissance à Francis Delbar, y a longtemps vécu. Entre le fracas des bombes et la rumeur de la fête, le bruit parfumé de la kermesse. Je devrais 500 000 francs à mon cousin Crésus. Comme je n'ai pas d'argent, je m'inquiétais tant et plus. Hier soir, il vient chez moi et me dit, cher cousin, voilà 100 bacs pour toi et tu ne me dois plus rien. Il avait bu un verre de Tabala, il avait bu un verre de Wattabala Tabala. Ah que c'est bon, c'était pas tant à redonner moisan. Oh là là, alors ça, on devait pas être nés, Arnaud et moi, ou alors tout au début, c'est une belle photo d'amoureux, ça. C'est pas du tout, c'est... C'est marrant, il y a deux périodes. Il y a la période où il n'était pas Raoul, donc c'était plus des ambiances de famille, puisqu'après il était quand même un peu moins disponible.
Non, on faisait partie de leur vie intégrante, hein. On allait partout, que ce soit dans les vernissages, dans les fêtes, les restos. C'est vrai qu'on était totalement liés à leur vie d'adulte. Alors je pense qu'il y avait quand même une rigueur par rapport à l'école, mais c'est plus ma mère qui me l'a donné que mon père, puisqu'il était quand même beaucoup à l'âge, j'allais dire. Alors ça, c'est leur mariage, ça. Et c'est à Saint-Guéant-Mélantois, donc c'est le village où est née ma mère. C'est la voiture avec laquelle il l'a séduite. Oui. Puisque c'est, je ne sais plus ce que c'est comme voiture, mais c'était sa voiture décapotable, il en parlait beaucoup, oui. Maman, et la 203, pas du nom, il avait gardé celle-là. Avec les clignotants, ils avaient tic, tic, tic. Ah oui. Oh, dis donc. Ah, regarde ça, Roger. Ah oui. Ton œuvre. Ah ouais, ouais. La deux chevaux toi, chez Cabourg, avec moi avec ma veste qu'on avait achetée chez Bidule. Gris bleu ou un peu comme ça. Chez Bidule. Ça va bien avec l'auto. Il y a les yeux de maman, ils sont impressionnants. Hein. Donc là, il y a elle, moi, et puis papa qui apparaît comme un diable de sa boîte. De Godoir Vède, parce qu'il est tout à dire allemand, qu'un flamme à guise d'intermède, bien badassé au son du cordéon. Lui, quand on l'interviewait, il est toujours, je vais vous le dire en ch'timi, mais je suis pour un canteur, je suis photographe. Photographe de père en fils, par tacite reconduction, photographe de l'évêché de Lille et de la foire internationale, le nom de Lille. Donc il ne voulait pas entendre parler de chanteur. Alors, quand Europe 1, on l'a interviewé, il ne parlait que de la photo. Quoi. Par rapport à son métier de photographe, c'était le début du 24-36. Lui, il travaillait qu'à la chambre, et Corollet Sissi, des appareils qui sont effectivement d'une qualité extrême. Il refusait d'acheter du 24-36. Il est vrai, en parlant, ce n'est pas le format qui permet des agrandissements importants. J'ai appris la photo quand même un an avec lui. Je me dis, bon, il y avait quand même déjà un esprit de s'intéresser aux choses du moment et plutôt en arrière que l'avenir. L'époque de Raoul, c'était des valeurs tournaient à la fois autour du respect des anciens, mais en même temps autour d'une certaine dérision, c'est-à-dire quand même la possibilité de, finalement, croire, de se moquer aussi. Et une joie de vivre liée à une sorte d'insouciance qui faisait que, par exemple, le problème de l'emploi ne se posait pas. C'était une époque, pour cette région, de plein travail, dur, mais quand même de plein travail. Donc il y avait une sorte de dignité. À la maison, 9h vient de sonner. La maman gonce un fils qui vient d'entrer. Qui lui répond, il est pâle, un peu ivre. Quoi, j'ai 20 ans, je m'amuse, je veux vivre. La mère a peur, c'est pas la première fois. Qui hante ainsi l'œil méchant, l'air narquois. Qui fréquente-t-il sur ma et pas grand chose. De mauvaises femmes, peut-être un son la gosse. Il faut agir, le faire mieux. Pour le punir, lui dire malheureux. Tu n'es jamais un employé, un traumatisé, un salarié. Malgré tes habitudes dimanche, tes joies et tes malmanches. Pour jouer au riche, il faut l'argent. Si tu veux sortir de ta sans devenir rien qui vaille. Raoul, c'était un vrai homme de la fête, il aimait dans les bistrots, avec des copains, boire la bière, hein,
Il met à chanter, il chantait bon, comme ça, à cappella. Bon. Mais c'est normal, hein, ça fait partie, je trouve, des gens du Nord. On est très... dans mon pays, on dit, ça a un tout droit dehors. Quand il pleut, les gars se réunissent où ? Au bistrot. Et comme il n'y a pas de soleil, on chante pour essayer de leur faire un petit peu, quoi. Et qu'est-ce qu'on chante ? Dans le Nord, c'est les chansons grivoises, c'est les chansons gaillardes, quoi. Et c'est comme ça qu'on s'est connus avec Raoul, avec mon frère, avec Robert Lefebvre. Et puis on en a fini par se dire, mais ce folklore pourrait bien se perdre un jour avec tout ça. Donc on a décidé de créer une maison de disques. Et là, à cette époque-là, Raoul ne s'appelait pas encore Raoul de Godoarveld. Donc c'était, vous savez, donc dans les Capenoules, il y avait un portier d'usine, un toubib, il y avait de toutes les classes et de toutes les classes politiques. L'aventure des Capenoules, c'était un peu un canular au départ. Et je dois dire que j'ai trouvé ce mot, les Capenoules, c'est du patois. Et ça veut dire, littéralement, petit voyou. Être la seule femme des Capenoules, c'est pas une mince affaire, parce que, étant la seule femme avec 10 mecs derrière moi, c'était quand même une bande de joyeux de rire. Mais j'ai envie que ça a été toujours avec beaucoup de tendresse, de familiarité, mais respect quand même. Un jour, Pierre Céline m'a dit, les Capenoules, de toute façon, c'est une histoire d'homme. Je te remercie beaucoup. Il m'a dit, tu sais pas pareil. Francis disait, je ne suis pas un chanteur, je suis un amuseur de ces banquets. Moi, j'ai passé mon enfance à écouter mes parents chanter l'opéra dans les bistrots. Donc on avait une culture de bistrot, une culture de chanteur de bistrot, et on ne pensait pas un jour enregistrer. Et ça, donc, c'était Alain Bersard, c'était le troisième disque. Et alors, bon, ça, c'est moi qui avais dit, tout le monde en maillot de bain, 1900. J'ai dit, moi, comptez pas sur moi. Il n'y avait pas question, je ne me mets pas en maillot de bain comme ça. Donc, il m'avait trouvé ce truc avec le chapeau qui était vraiment absolument ravissant. Ce qui est extraordinaire, c'est que ce n'était pas non plus qu'un personnage, c'était toute une bande de gens. Et il y a donc les Capenoules, mais il y a Roger, moi, je suis toujours très, très proche de Roger. C'est des gens qui ont un regard sur la vie qui est extraordinaire. Et nous avons ce soir, près de nous, un peintre, Roger Fraisse. Il n'est pas honte de faire des choses pareilles. Bon, si je suis honte, c'est absolument dégueulasse. Tout ce que je fais, c'est vraiment inavouable. Et pourquoi vous faites ça? Pour m'amuser. Faire plaisir. Pour me faire plaisir à moi. Ce qui compte beaucoup, c'est la voiture de mon copain. Mais qui que c'est qui a bien pu mettre de la couleur comme ça sur une auto? Pas la que je paie, c'est que je m'en oublie, comme on dit. Ça doit être le peintre, le Sidonercel, et mes fortunés des Irènes de Vaugelard. Le gars champêtre, il me l'a dit, pas tout partout, même sur les murs. À Paris, on dit, un s'en fout. Le Delbar, je parle de Raoul, bien sûr, qui s'appelait pas Raoul, hein. Le Francis Delbar, il a une voix extraordinaire. Une voix qui a été baptisée par un journaliste. Il a dit, on dirait une locomotive sortant d'un tunnel sous les montagnes rocheuses. Pourquoi Raoul de Godoarveld? Parce que je suis d'origine du monde. De Godoarveld, du monde. Et vous êtes né ici? Non, je suis né à Lille, mais mon arrière-arrière-grand-père est né au Mont-des-Cor. Il a eu 13 enfants, d'ailleurs. Très jeune, j'étais amené au petit friquet, grand-papa Léon, Radio Lille. Alors, ça m'a donné l'idée de chanter. Vous savez, en famille, on chante toujours, dans les banquets, dans les réceptions, dans les remises de décoration, on chante. Chaque fois qu'on enregistre un disque, c'était une fête extraordinaire. On était au Beaujolais, nous, et on n'avait pas besoin de fumer des pétards. On était tous en forme. C'était une joie, c'était une fête, c'était pas un boulot. Si ça perdure dans le temps, c'est le côté authentique, parce que personne n'avait d'enjeu, ni fric, ni de carrière, donc... Je crois qu'ils ont tellement fait ça en rigolant et en étant vrai, parce qu'ils vivaient aussi comme ça, que c'est ce qui se traduit 20 ans après. Ah, c'est le train. Oui, le train du Valais. On avait tous ensemble, on était tous déguisés en... Les enfants, les femmes. Avec Kiki. Ça, c'est une expérience fabuleuse quand on était bon. J'ai vu les photos après. C'est avec le premier clip vidéo. À Saint-Valéry-sur-Somme ou au Saint-Valéry-en-Pont. À Vapeur, il y avait même des petits poêles à charbon dans chaque compartiment.
pour pas que les clients aient froid. On allumait le feu à l'intérieur d'un train. C'était bien. Ouais, ouais. Et elle est magnifique, c'est tout. Ouais. Dans la campagne verdoyante, le train longeant sa voie de fer emporte une boule bruyante tout là-bas vers la grande mer. Le mécanicien chante sur sa locomotive, regarde l'air mauvais, blaise le biochauffeur. La colère en ses yeux, lui d'une flamme vive, sa femme chérie, blaise à voler le cœur. Roule, roule, train du plaisir dans la plaine jolie, vers un bel avenir d'amour et de folie. L'homme rue des Noirs qui conduit cette joyeuse poule, sent de ses yeux rougis une larme qui coule. Des heureux voyageurs, on entend les refrains suivant dérailler son destin. C'est le train du plaisir qui roule. Je le vois comme un être excessif. Comme les gens du Nord, beaucoup de gens du Nord. C'est excessif, les carnavals dans le Nord, tout ça, c'est excessif quoi, par rapport aux autres endroits de la France où les gens sont plus réservés. Quoi, alors qu'on a l'impression que le Nord, c'est un endroit un peu guindé, un peu... Mais, quand ils se mettent à faire la rigoule, donc c'est la grosse rigoule. C'est sympa. Il y a le côté fête intérieure, tu vois. On voit bien que ce n'est pas de la fête qui se passe à l'extérieur. C'est les bistrots, et ça dans le sud, c'est pas pareil, évidemment. Donc oui, comme un homme du Nord, et je dirais comme un homme proche de la Belgique, puisque chez nous c'est pareil. C'est vrai que la fête se fait pas à l'extérieur, Raoul, et plus la fête avec les copains autour d'une bière, et on sent ça dans les... C'est quand même presque toutes des chansons à boire, mais il y a quand même une tendance à amener à la fête, quoi. Pour moi, Raoul, c'est un homme du Nord dans le sens large du terme. Et pour moi, le Nord, c'est un pays qui va de Dunkerque à Mons, Charleroi, Tournai, Namur, qui descend jusqu'à Maubeuge et puis ensuite va jusqu'à Amiens en passant par Arras, Lille, Calais, etc. Moi je me sens très enraciné dans la région, c'est vrai qu'il nous l'a transmis ça aussi. Papa, enfin, je pense pas me tromper, mais vraiment les recherches sur l'historique du Nord, etc., ça passait à lui passer complètement au-dessus. Enfin, moi c'est l'analyse que j'en ai. Il vivait ça. Très simplement. Sur la route de Saint-Quin, tout du chemin, sur la route de Saint-Quin, tout du chemin, j'ai rencontré ton bio engin, tout du chemin, tout du chemin, j'ai rencontré ton bio engin, tout du chemin. Et il fallait bien la popotin. Dans la fonction publique, quelqu'un était méchant, on le déplaçait, on l'envoyait dans le nord ou dans l'est. Et alors quand on dit vous allez dans le nord, c'est fini, c'est la pluie, c'est le brouillard, c'est le crachat, c'est la neige, et c'est les pavés du nord, ça c'est l'enfer quoi. Et ces gens arrivaient ici puis ils se disaient mais c'est quand même gay le nord, mais on s'y amuse, mais c'est formidable. Moi je sais que pour ma part, je ne connais pas des gens plus gays que les gens du nord. Et ça Raoul l'a bien traduit. Raoul parlait avec un accent du nord. Mais il chantait en français. Et c'est son accent qui faisait la couleur, comme dans un plat, une sauce fait le goût. Ça fait quand même plaisir de voir qu'on a apporté quelque chose et puis qu'on a valorisé le patois quand même, parce que le patois, c'est, je sais pas, c'est nos racines, il ne faut pas les dépasser. Ça, les Bretons, les Normands, tout le monde défend son patois et je pense qu'il faut le défendre parce que le patois est une très belle langue. Il avait réussi à rassembler des gens qui apparemment auraient pu se dire « Oui, ben non, moi je travaille dans le textile, moi je suis paysan, moi je suis agriculteur, moi je suis ceci, moi je suis cela, donc j'ai rien à voir avec ça. » Et non, ils étaient tous rassemblés autour de Raoul à cause de ce côté
extrêmement universel qu'il avait réussi à trouver, parce qu'il avait réussi à toucher le cœur et l'âme des gens. Raoul marchait vers la lumière. On était déjà loin du temps où il refusait de laisser filmer son visage. Comme ici, pour chanter l'accordéon. Prachnecker, prachnecker, quand on reprend de plaisir, on bâche avec, c'est avec, quand on roule de la chair avec, quand c'est yodé, mais surtout des joyeux, soir et matin, un chien d'acheter les uns, quand c'est yodé, mais surtout des joyeux, soir et matin, quand c'est les uns. La première fois que j'ai vu Raoul, c'est au bar du Normandie, à un hôtel de 800. J'ai vu cette montagne avec la casquette de loup de mer du vrai nature et puis les moustaches. Et on a tout de suite parlé de pêche parce que moi j'ai fait du bateau, pas beaucoup de pêche mais beaucoup de bateaux à voile. J'ai un passé de pilotin de pont sur un cargo, etc. Alors Raoul, ça l'a accroché, ça, pas du tout le côté chanson. Et il m'a dit, si tu veux, je t'amène à Lubeck. Je lui ai dit, un jour, si tu veux, je t'écrirai une chanson. Il lui a dit, ouais, je veux bien, mais bon, etc. Quelques jours avant le départ, je lui ai dit, quand même, il faudrait que je la fasse. C'est le plus simple, c'est de raconter chez Léonce, le Cap Grinet, les pêches. Voilà. Et puis, je suis allé chez Raoul, qui habitait une maison chez les gardiens de phare. J'ai dit, j'ai une chanson pour toi. J'ai chanté une fois la chanson. Et puis, Raoul m'a regardé avec ses yeux ronds. Il y avait quelquefois des yeux ronds quand il voulait. Et il me dit, à la refaire, je la sais déjà. Alors, moi, j'avais mis le texte sur un papier. J'ai rechanté quand la mer monte. Lui, il a chanté aussi. Puis derrière, il y avait Arnaud et Frédéric, qui n'étaient pas grands comme aujourd'hui, qui se battaient pour lire le texte, pour chanter aussi. Le chien, je ne sais plus comment il s'appelle, toujours. Et il s'appelait tout au moins, parce que le pauvre chien, il n'est plus là. Clochard. Il aboyait un petit peu aussi. Mais on sentait dans son aboiement que ce n'était pas gênant, c'était du plaisir. Enfin, j'exagère peut-être un peu là. Puis voilà. Puis le soir, on s'est tous retrouvés avec les Célis, etc., chez Léonce. Et j'ai chanté La mer monte. Une fois, il y a eu un silence, je vais la refaire, a dit Raoul. Alors il l'a chanté tout seul, les gens reprenaient avec, puis on a vu Léonce Blême qui avait chanté avec cette belle voix de ténor émue, et avec toute la sobriété italienne qu'il était capable de mettre, lui, homme de Saint-Omère. Puis il est parti, il est revenu avec du champagne. Il en avait les larmes aux yeux. Et puis, on a passé un bon moment. Tout près du Cap Grinet, quand il finit de pêcher, on se retrouve chez Léon, on est 11. On sur les poissons, en vidant des canons. Et l'on passe vite le cap, car ça tape. Il y a plus qu'un gris, en moins de 4 ans, de bon vouloir s'élever tout jouer. Les vers que je lève, votre le sel sur mes lèvres, moi je pense à Marie qui est partie. Quand la mer monte, j'ai honte, j'ai honte, quand elle défend. Staminet, et je regarde en rêvant le rayon. Le côté de la mer, colline d'Angleterre, mon que le monde par ici est tout petit. Et à gorge dépouillée sur le flot déchaîné, je l'appelle à grand rien Marie. Cette calame oliment, pour pêcher c'est le bon temps, mon filet me la rendra dans mes bras. J'ai honte, quand
son vas-y, c'est un tube. Hein, savait-il seulement Raoul ce qu'on appelait vraiment un tube, parce que ce n'était pas son problème, mais il avait entendu ce mot-là quelque part. Et fort heureusement pour lui, il ne traînait pas là-dedans, quoi. Et Michel disait, ouais, c'est une bonne chanson, il faut l'enregistrer, etc. Avec un autre. J'ai dit, c'est très simple et puis très triste. L'air est triste, et lui il était comme ça. En même temps, c'est une chanson, un peu la. Comme un peu tout ce qu'il chantait, on se tient bras dessus, et puis voilà. Alors, il y a un côté comme ça, grosse fête du Nord, Bruegel, et puis. Et très mélancolique avec un autre. À Europe 1, quand ils ont entendu donc cette voix, enfin une voix unique qui n'existait pas sur le marché du disque, ça a marché tout de suite. Les radios se le disputaient un petit peu parce que contrairement aux autres chanteurs qui ne parlaient que d'eux-mêmes, lui à Hall, quand il arrivait, s'il fallait le secouer, donc toujours revenir à ses chansons, parce que c'était pas ça qui l'intéressait. Il parlait de la pêche au Cap Grinet, il parlait de tout ça. C'était passionnant, quoi. Dites-moi, au fond, pourquoi vous chantez ? Pour l'ambiance, pour faire voir que dans le Nord, on n'est même pas si triste qu'on a l'air de le dire. C'est pas toujours des affaissements miniers, c'est pas toujours des choses sombres, Il y a Léo Ferré qui disait un jour à des amis, dans le Nord, qu'est-ce qu'il doit faire froid? Il n'est pas plus froid qu'ailleurs. Hein? Et le paysage du Nord? Alors que il chante une chanson de Cosimon que je trouve formidable comme description. C'est Ostende, les rigolos, les tourgeaux. Et c'est facile de vivre dans le Nord. Pour moi, c'est facile et pour beaucoup de mes amis, c'est facile. Il suffit de se lever de bonne heure. Hein? Comme partout d'ailleurs. Et de chanter. Oui, on chante toujours d'ailleurs dans le Nord. Tous les mineurs chantent. Tous les ouvriers qui ont un dur travail, ils cantent. Ils cantent. Et on a l'air d'être des gens tristes. Mais en fait, on rigole bien, on se sent bien. La première chose qui a été difficile, c'est de le faire chanter en soliste. Alors on l'amène à Paris. On choisit quatre chansons, dont une sera toute dédicace, employé l'accordéoneux et le petit quinquin. Et il arrive, mais là c'était plus le même topo qu'avec les Capenots. Les Capenots, c'était des copains qui chantaient. Mais là c'est une autre formule. Il y a un orchestre, l'orchestration est faite, il arrive dans la salle, qu'il ne connaissait pas, il entend l'orchestration de l'accordéoneux, il me regarde, il dit au musicien, arrêtez tout. Et il fait, Célie, tu te fous de ma gueule. Pauvre ciel. C'est pour ça que je veux chanter, je ne reconnais pas du tout ma chanson, je vais téléphoner. Il part au téléphone, il appelle sa femme à Lille, et il dit, Célie et Le Fait, c'est des escrocs. Alors on lui dit, écoute, essaye quand même, tu vas voir le chef d'orchestre, il dit, voilà, on va faire mot par mot. Et tout d'un coup, il écoutait à la fin de la chanson, il dit, mais c'est formidable, il dit, mais c'est une chanson comme ça. Et depuis, il lui arrivait même de dire que c'était lui qui avait fait l'orchestration aussi. Tous les soirs, Raoul passait la ville à la Deste, c'était Mouloudji la vedette, et puis Raoul, pendant le dîner spectacle, et on terminait toujours à 2-3 heures du matin. En fin de nuit comme ça, là vous aviez, c'est un peu la cour des miracles. Il y avait entre autres un vieux travelot qui convoyait presque à chaque fin de nuit. Il avait enlevé sa perruque, son rouge à lèvres débordé de tous les côtés, ses chaussures au talon et une vieille pute qui n'avait pas fait suffisamment d'argent pour vivre le lendemain, qui peinait encore un petit peu. Et tout ça, dans ce milieu de Raoul, c'était extraordinaire. À 25 ans, quand j'ai connu l'odieux, je ne vous le cache point, je les mots comme mes messieurs. Pour l'éprouver, je le marie au Albradrille, je compte enfin bien avoir un sort heureux. Mais je n'avoue point, plus de 3 semaines de ménage, qu'elle rejoint en eau, déjà tout d'un mason. Que quand j'ai dit un pinceau au mariage, si j'avais su, j'aurais resté garçon. Si j'avais su, j'aurais resté garçon. Les femmes au fond ne le passionnaient pas, Raoul. C'était les copains, quoi. Alors, quand il draguait, vous savez, c'est
Enfin, donc c'était pour le plaisir de draguer, mais la belle, ça ne l'obsédait pas du tout. Moi, j'aurais très bien vu Raoul faire le commerce de 20 salons avec Sandrard, vous savez, ici, quand il venait de Grèce jusqu'à Gênes. Hein, c'était vraiment ce que Blaise Sandrard, n'est-ce pas, de louer le bordel pour une semaine avec ses commis. C'était plutôt ça, Raoul. C'était pour le plaisir. Il arrivait ici, il passait des heures. Il y avait parfois le don d'une nerf de mon mari. Alors, il y a eu des gros problèmes pour ça. Alors il disait qu'il venait ici parce qu'il était très heureux de me voir, mais surtout ça faisait chier mon mari. Alors rien que de faire chier mon mari, il viendrait tous les jours. Et alors il avait un don aussi, c'est d'entraîner dans son sillage dans les galas. Et mon mari n'aimait pas du tout ça. Il avait une mauvaise conscience parce qu'on rentrait parfois très tard. Et alors mon mari, ça ne m'a rien dit, au contraire. Et il était quand même un petit peu tracassé par ça. Il m'a dit un jour, avec sa verve normale, habituelle, « Maria, tu sais, j'ai beaucoup d'affection pour toi. Nous nous aimons beaucoup, mais je ne te ferai jamais de la même manière. » Il est mignon, mignon, si le pauvre est parfois coquet et pas docile, c'est pas sa faute, oh non. Ou gentil petit cœur, au petit cœur de la dernière virée que j'ai faite avec mon père, j'avais 17 ans, je crois. Et il m'a emmené dans les endroits un peu mal. Ça devait être dans son esprit un espèce de parcours initiatif. Et je me souviens bien qu'on était rentré avec un de ses amis qui était un homme politique de la ville illoise, qui m'en a reparlé il y a peu de temps d'ailleurs. Et ils s'étaient mis chacun, on avait un perron à la maison avec deux pilastres. Et ils étaient chacun de chaque côté posé à la pilasse et ils se sont mis à faire un gros pique-nique de fin de soirée. Et moi je regardais ça, c'est pareil, de voir mon père faire ça et de voir cet homme politique faire ça aussi. Voilà, c'était. Et après, bon, c'était, je vous dis, 6-7 mois avant sa mort. C'est un politique, c'était pas Pierre Mauroy ? Non, non, du tout, c'était pas Pierre Mauroy, du tout, non. On traînait dans les bistrots donc de Lille et qu'à 2h du matin, on venait pour les fermer, c'était la police qui arrivait. Et quand Raoul ne voulait pas sortir et qu'il se levait comme ça, il se balançait comme un ours un peu, vous savez, c'est comme font les ours quand ils vont. Il disait au brigadier, dont je ne vous dirai pas le nom maintenant, il disait, je te signale que si tu m'emmerdes encore, je vais t'enculer à sec. Il ne pouvait pas dire je vais t'enculer, non, c'était à sec. C'est toujours un excessif. Et si dans tous ces trucs, il était excessif comme ça. Elle est au nord, il est au pied de port, je t'aime. Elle est au nord, il est au pied de port, je t'aime. À la fin, tant que sans toi, je suis malheureux. J'aime tes mains qui sentent bon le proto. Tu ne touches les voisines. Je valide. Et moi pendant ce temps j'étais dans la peau, dans la moelle des os. Alors là on va arriver au phare du Cap. Là où dans le phare le Raoul et le roi du tango a été écrit parole et musique par le gardien du phare qui s'ennuie la nuit parce qu'il ne se passe pas grand chose. Au petit bal, quand je t'ai rencontré, le cœur battant, je t'ai invité. Mais par une valse, on a commencé, je t'ai marché sur les pieds. Ici, c'était chez Yvonne. Alors Francis habitait là, il arrivait le matin et buvait une bistouille. Une bistouille, c'est un café avec de le chirloute. Non, de le chirloute avec du café. Avec un avant-brochi. C'était pas le pam-pam ou le bouquet, ici. C'était tout à fait ce qu'il y a de plus ordinaire, de plus simple. Raoul était un excessif. Dans ce sens.
Il ne pouvait rien faire comme tout le monde. Au bistrot, il ne buvait pas un Ricard, il demandait toujours des mécaniques. Et des mécaniques, c'était deux Ricards. Et les gens qui ne savaient pas ça, vous savez, au bout de la troisième tournée, ils étaient pétés, quoi. Mais j'ai un père, vive la bière, avec une bonne crème saucée, dans qu'il n'en a vu, j'entends que le tutu. Mais j'ai un père, et sache ma frère, que si te là où il y a la bordure, il y a du trottoir. Alors voilà, c'est le blond nez. On le voyait mieux hier, mais là, il dessine, il commence à se dessiner. Il adorait aussi la Bretagne, il aimait beaucoup l'île aussi, Flandre. Mais c'est vrai que c'était ici qu'il vivait, qu'il venait se retrouver, parce que très amoureux de la mer et de la pêche. Et je pense que c'était vraiment sa passion, quoi, la pêche. Très vite, quand il s'est senti, je pense, à l'aise, Parce que éduqué entre guillemets par les pêcheurs, parce qu'on pêche avec les pêcheurs, il s'est donc acheté le slobar, le vrai slobar d'ici, son tracteur, et je pense que là il a dû se sentir un vrai marin, quoi. C'est très agréable, c'est dur comme climat, mais c'est très agréable, très vivant. Il vient au climat dur du Nord. Oui, faut pas nier. C'est très vivifiant, et alors on est en tranquillité de paix ici, si vous voulez. Il y a beaucoup de poissons, de poissonneux, il n'y a pas de gasoil. Pas de pollution? Ça passe plus loin, ça va ou vers la Norvège, ou vers le Venezuela, ou vers quelquefois l'île de White, par là. Quoi. Mon père, il organisait sa vie, c'est vrai, par rapport au fait que quand il avait 3 ou 4 jours de libre, il venait, comme il disait, il passait le calvaire de Dingan, il y avait tous ces problèmes qui étaient partis, et il restait ici, donc là il s'occupait de son bateau, avec ses copains, avec ce que je disais tout à l'heure, la famille des pêcheurs et des copains, ils s'entraînaient, etc., puis ils partaient en mer ensemble, c'était un vrai truc. Pour moi, je me trouve surtout dans l'état actuel des choses, exceptionnel peut-être cette année, quoi, en général on a toujours autant, je trouve que c'est le plus beau pays du monde. Avec un temps de brouillard, on était parti en mer, et quand il y a du brouillard, on est vraiment entouré de rien, quoi, entouré de coton. Et il fallait donc rentrer, donc papa est rentré à la boussole et il y a eu une erreur de quelques degrés. Et donc ils sont arrivés, sur cette plage, sachant pas où on était. Et il y a une des personnes qui était à bord, je crois que c'était Pierre Sélie, qui est descendu affolé un petit peu du bateau, parce que c'est vrai que ça déstabilise. Et il s'est adressé à la première personne qu'il a vue, c'était un type qui pêchait la crevette avec un filet le long de la plage. Et il lui a parlé et l'autre lui a répondu en anglais. Donc pendant 3 minutes, ils ont cru qu'il était arrivé en Angleterre. Quoi. Donc c'est un peu que... Qui sait quand est-ce qu'on va masser ce chalet? Qui sait quand est-ce qu'on va percer ce tunnel? N'oublions jamais la France et l'Angleterre. Entre elles, il n'y a qu'un tout petit bras de mer. Il voulait faire son dernier disque, il devait être avec des chansons de marin. Il m'a dit, Marien, tu ne connaîtrais pas une chanson de marin? Enfin, je me suis dit, hein, quand on est petit, en fait, on apprend toujours des chansons de marin. Je lui avais appris une chanson bretonne. La maman du petit homme lui dit un matin, à 3 ans, t'es haut comme une huche à pain. Tu veux faire un bon apprenti. Pour partir à la mer, t'es ben trop petit, mon ami, t'es ben trop petit, d'amour. Dit un maître d'équipage qui lui rit au nez, en lui disant, moi n'engage les tout nouveau-nés. Tu n'es pas laid de frimousse, mais t'es mal bâti, même pour faire un petit mousse. T'es ben trop petit, mon ami, t'es ben trop petit, d'amoui. Il y avait dans Raoul, il y avait de tout, il y avait de la méchanceté. Il y avait la gentillesse, il y avait de la modestie, il y avait de la provocation. Oh là là là,
provocation. Il y avait un jour, il y avait un interville entre Calais et Boulogne, et avec les dockers de Calais et les dockers de Boulogne. Et cet interville se termine, ça me tirait sur une corde, et c'est Boulogne qui perd, les dockers de Boulogne. Il lui prend bien l'idée, le soir, après l'émission, d'aller provoquer à minuit, au bar à Boulogne-sur-Mer, les dockers, leur disant, une bande de feignants, une bande de cons. Il s'est ramassé. Mais alors, là, une baigne, il s'est caché pendant 10 jours. Et moi, je m'amuse à lui téléphoner en disant, tu sais, quand il dit, François, non, je viens demain te voir. Tu sais, ici, Paris, il va dire, non, surtout pas, je ne suis pas visible. Tellement il est honteux après. C'était un provocateur. Mais il y avait de tout dans ce personnage. C'est pour ça qu'il était attachant, quoi. Corps contre corps, le cœur tout en feu. On a vibré les yeux dans les yeux. Mais comme toujours, ce parfait bonheur a passé comme une fleur. Quand je relis du Rabelais, j'ai toujours l'impression qu'au détour d'une phrase, bien d'une page, que je vais tomber sur le nom de Raoul de Godevinsvel. Parce qu'il est vraiment, enfin, c'est vraiment le frère de Gargantua. S'il y a un personnage rabelaisien dans toute la chanson française, c'est bien lui. Quoi. Dans sa langue, dire la langue, dans sa langue, remplis ton verre à bâbord. Tant que ça roule sur la boule, tant que ça roule, remplis ton verre à tribord. Au moment où il a commis son geste, eh bien, il s'est... D'abord, il a mis son costume de scène, et il avait l'habitude, c'était de se faire les ongles avant d'entrer en scène, et il l'a fait aussi. Il s'est nettoyé les ongles scrupuleusement, et après, il s'est mis devant la fenêtre de sa maison au Cap Grillé, et il s'est pendu. Je me trouvais chez moi à Lille dans mon atelier, à 4h du matin, je reçois un coup de téléphone, je crois, qui venait de la journaliste, quelque chose comme ça. Et je crois que j'ai fait la route entre Lille et Calcrine à très très grande vitesse. Et je suis arrivé, il y avait peu de monde, il y avait André Delbar, son épouse, qui était là. J'ai vu Francis allongé sur son divan. Les pompiers venaient de le décrocher. Pourquoi? J'en sais rien. Peut-être que c'est un personnage que je ne veux absolument pas vieillir. Peut-être. C'était un joyeux de rire, comme ça, en public. Mais en fait, au fond de lui-même, il était assez pessimiste. Inquiet souvent de l'avenir, de ce qui allait se passer. C'était peut-être un solitaire. Les hommes de la mer, des vrais très solitaires. Quand on est artiste populaire, on est obligé d'être près des gens. Et c'est une chose qui est à la fois réjouissante, dans la mesure où ça apporte un énorme bonheur, un énorme amour, mais trop d'amour peut aussi étouffer. Et il voulait rester un être humain et non pas une espèce de machine à showbiz, quoi. C'est un personnage extrêmement poétique du début jusqu'à la fin de sa vie, si triste. C'est une poésie en lui-même. Je pense que ça lui appartient tellement, que c'est une décision tellement grave que non, je n'en veux pas. Il me manque, mais je n'en veux pas.
Il y a de terre qui se rencontrent, il y a de mer qui se confondent sur un air qui nous raconte le Nord. Et de Berck jusqu'à près d'une se marient vagues et dunes au soleil ou sous la lune du Nord. De Dunkerque à Ambleteuse, la marée gonfle et se creuse, et son flot, c'est la berceuse du Nord. Et à gorge déployée dans le flot déchaîné, je l'appelle à grand cuir bien Marie. Tel qu'à l'âme au Liban, pour prêcher que c'est le bon temps, mon filet me la rendra dans mes bras. Quand j'ai honte, quand elle descend, je